Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la toute première édition de TV Périgord pour la web TV du Périgord Noir de Marie. Et à cette occasion, nous avons la chance de vous emmener en ce premier dimanche du mois d'avril découvrir la fête du printemps. Celle-ci se déroule non loin du vieux pont du XIIe siècle en grande conversation avec la Vézère. Et oui, vous l'aurez peut-être compris, nous sommes situés à Terrasson, cette ville-jardin dotée de ses toits d'ardoise, surnommée la Porte du Périgord Noir. Suivez-nous, c'est maintenant! Consiste la fête du printemps. La fête du printemps à Terrasson. Oui. À Terrasson, c'est vide grenier, les manèges, plein de choses très sympas, indépendamment du temps aujourd'hui, évidemment. Mais voilà, c'est le démarrage de la saison, de l'été, voilà, tout simplement. Est-ce que vous savez quand est-ce que cette fête a démarré? En quelle année ou depuis combien de temps elle existe? Pas du tout. Et vous, madame? Il faut demander à l'ancien Terrasson. Moi, je ne suis pas du tout d'ici, alors je ne sais pas. Je ne suis pas d'ici. Vous n'êtes pas d'ici? Non. Bon, est-ce que monsieur aurait un petit coin de paradis à nous recommander à Terrasson ou un petit mot sur cette ville? Alors, Terrasson, c'est les jardins de l'imaginaire, forcément, puisque c'est la carte postale de la ville. Et après, il y a plein de choses à faire à Terrasson. Il y a des commerces, il y a des restaurateurs. Je peux en parler parce que je fais partie du métier, même si je suis en repos aujourd'hui. Il y a plein de commerces, que ce soit alimentaire, vestimentaire. Et puis après, il n'y a pas que Terrasson. Autour de Terrasson, il y a plein de belles choses à voir. On est à quelques minutes de Lascaux. Et, voilà. Quoi vous dire de plus, si ce n'est, venez à Terrasson. Hein voilà. Sur la fête du printemps, est-ce que vous y plaisez? Oui, on est bien, très bien même. Avec un super défilé de nos petites filles. Voilà, ce sont vos petites filles. Qui sont-elles? Présentez-nous vos petites filles. Cassandra. Cassandra. Elle est avancée pour qu'on la voie mieux. Cassandra. Chloé, Clara. Je sais pas où elles sont. Clara, elle est là. Et voilà, mes trois filles à moi. Bienvenue sur TV Périgord. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur les majorettes? Si j'ai compris, elles sont aussi bien à Terrasson qu'à Collardin. Et depuis quand cette association existe? Parlez-nous. Ce club est ouvert, ça fait un an, qui est ouvert sur le Lardin. Et maintenant, on commence à faire les défilés un peu partout. Donc s'il y a tout le comité des fêtes qui nous voudrait, ça serait avec plaisir qu'on viendrait. Voilà. Donc on a des filles de 15 à peu près, qui ont 17 ans jusqu'à 3 ans. Donc on prend des petites filles, il n'y a pas de problème. Et où est basé votre club? Alors notre club se base à l'école de Saint-Lazare. Donc on fait les entraînements tous les samedis à l'école de Saint-Lazare. Non, au Lardin. Donc à Saint-Lazare. Est-ce que vous avez un site ou un moyen de se communiquer avec vous? Non, on n'a pas de site encore. Mais s'ils vont sur le site de la mairie, on y est. Il y a le numéro de téléphone, il y a tout pour nous contacter. Donc la mairie de Lardin. Parfait, oui, parce que nous sommes à Terrasson. Et vous faites un bon après-midi ensemble, si gentil les jeunes filles, qu'est-ce que vous pensez de cette manifestation? Je pense comprendre que vous êtes le président donc de la fête du printemps, c'est vous qui l'organisez. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sur cet événement plus que printanier? Alors je veux vous dire déjà au départ, je l'organise, mais je ne suis pas tout seul. Nous sommes toute une équipe pour cela. Voilà. Et nous avons lancé cela déjà au départ
C'est suite à un hommage à une personne qui est décédée, qui était de ma classe, et dont j'ai fait des artisanales, c'est-à-dire pour le bouge les nouveaux, vous savez, en fait une animation, place des martyrs, en hommage à M. Delmas. Dans d'autres associations s'appelle La Main et l'Outil, et qui représente les artisans et l'artisanat, ainsi que les meilleurs ouvriers de France qui participent avec nous, vous voyez. Mais la particularité de cette fête du printemps, c'est de, bien entendu, de fêter le printemps déjà. Un hommage à la vie, par rapport à votre ami, quelque part. À condition que le soleil soit là. Aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. Apollon brille, il est là. Oui, maintenant. Tout de suite, oui. Mais ce matin, on a pris des orages et tout. Donc voilà. Mais on n'amènera jamais d'artisanat pour la fête du printemps. On en fera une fête, disons, pour, voyez, pour distraire les gens, pour les sortir, pour, voilà, qu'ils se sentent. Vous voyez, tout le monde est content, tout le monde est gai, on se parle tous, beaucoup de gens nous connaissent et tout, vous voyez. Alors donc pour eux, ça les fait sortir et c'est bien, parce qu'on est quand même dans une ville où on partage, il y a un partage qui est très important au niveau des, vous voyez, des nations, au niveau de, bon, des gens, qu'ils soient turcs, qu'ils soient portugais, qu'ils soient algériens, qu'ils soient français ou quoi que ce soit, et on a des cultures. Et nous, ce que l'on veut, c'est qu'on se rassemble entre nous et tout. La preuve, c'est déjà commencé, vous voyez. Alors, c'est quand même bien. C'est une fête à l'humanité et à la vie, si je et comprends bien. C'est un peu de tout. Oui, vous avez eu un déjeuner ce midi. Combien de personnes avez-vous eu? Alors là, j'en sais pas trop, parce qu'avec la pluie qu'il y a eu, je crois qu'on a fait une quarantaine à peu près. D'accord, oui. Moins que prévu. Et qu'est-ce qu'on pouvait déguster de bon? Dites-nous. Il y avait, pour 10 euros, il y avait une entrecôte frite avec salade et fromage. Et si vous allez au restaurant chez Canta, qui se trouve à 15 places à Libération, vous aurez la meilleure cuisine, parce que c'est moi le chef de cuisine. Et alors, qu'est-ce que vous préférez élaborer ou proposer? Ben moi, je préfère tout ce qui est périgourdais. Oui. Je suis d'origine corse, alors on fait la cuisine un petit peu corse. Mais nous, on fait que du frais et on travaille avec des produits de proximité et des producteurs locaux. D'accord. On essaye d'économiser pour la planète, de faire le moins de kilomètres possible. Ça, c'est très bien. On essaye de faire du bio tout en restant raisonnable. Les pommes de terre, elles viennent de Terrasson. Mes autres légumes aussi, ma viande vient de Corrèze, juste à côté, c'est de la race à viande. On essaye de faire, vous voyez, de réduire les kilomètres pour laisser une planète un peu plus propre à nos enfants. Exactement. Voilà. Exactement, et surtout le Périgord, qui est quand même une terre d'origine humaine, avec un patrimoine naturel remarquable. Tout à fait. Bon, et qu'est-ce qu'on irait manger de bon chez vous? Dites-nous. Eh bien, écoutez, moi je fais des magrets de canard avec une petite sauce fruits rouges au Mont-Basillac. Et après, je fais des confits de canard, bien sûr, des omelettes au cèpe, des omelettes au morilles. Tout ce qui est terroir, périgord, des truffes et des choses comme ça. Je fais de l'entrecôte au beurre de truffe, de la race à viande avec un petit beurre de truffe par-dessus et des frites maison fraîches. C'est fantastique. Tout ça donne fortement envie. Voilà. Avec ce beau soleil, et puis quand on est filmé, c'est tout du bonheur, n'est-ce pas? Bon, merci. Oui. Bonjour monsieur, c'est pour le Périgord Noir de Marie et l'association La Rivière Bleue. Nous créons TV Périgord. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter, une anecdote sur cette fête du printemps? Alors cette fête du printemps, c'est une fête très intéressante, mais qui n'a pas été très bien réussie avec un mauvais temps ce matin qu'il y a eu. Mais cet après-midi, il y a du soleil, donc on en profite. Les gens sortent, les gens viennent découvrir ce beau paysage, cette belle ville de Terrasson. Voilà, c'est qui est très joli. Venir à Terrasson, c'est venir voir quelque chose de très beau. Il y a de belles histoires et plein de choses à découvrir. Voilà. Et peut-être avez-vous un petit mot sur le pont du XIIe siècle? Quand est-ce qu'on pourra l'inaugurer? Alors le pont qui est en fin de restauration va terminer dans 2 mois à peu près, si vous voulez. Et c'est un pont mythique, c'était le seul pont qui existait entre Clermont-Ferrand et Bordeaux sur ce cours d'eau. Et alors il est en pleine restauration parce que bien sûr il avait besoin de restaurer. Voilà. Il a été construit par des moines qui avaient le monastère et les vestiges existent toujours, qui sont là dans le haut de Terrasson. Parce qu'ici où on est, ce n'était que des marécages. Il n'y avait que des marécages ici. Ce quartier-ci, hein, on s'entend. Quartier-ci, oui, tout à fait, tout à fait. Ici, on ne pouvait pas accéder. C'était de l'eau partout. C'est pour ça que Terrasson est en haut sur la colline, voilà, si vous voulez. Et pour la construction du pont de Terrasson, il y a eu plein de villages
qui sont ainsi construits autour pour que les ouvriers puissent construire le pont. Et il y a eu un petit cours d'eau qui s'appelle le Brassé pour détourner la Vézère pour pouvoir construire le pont. Voilà, voilà. Et vous avez quelque chose d'intéressant aussi, intéressant, c'est la bascule. Ah, dites-moi plus sur cette bascule, ça m'intéresse, dites-moi. Oui, alors la bascule, les gens qui venaient à Terrasson, qui passaient à Terrasson, étaient obligés de payer pour passer, c'est ce qu'on appelait l'octroi. Donc ils passaient, on leur pesait ce qu'ils amenaient, si vous voulez, et puis donc ils payaient l'octroi, c'est ce qu'ils faisaient vivre, voilà. Et à l'entrée du pont de Terrasson, vous avez du côté Nouvelle 89, puisque la 89 avant passé dans le centre, sur les quais, si vous voulez, et en bas des quais, en face de la mairie, vous aviez les prisons. Ça, c'était intéressant. Alors, de l'autre côté du pont, vous avez une maison très ancienne, et ça, c'était donc le péage du pont. D'accord ? C'était le péage. Voilà. Et de l'autre côté, vous aviez un bief, vous aviez une retenue d'eau, vous aviez un moulin. Et ce moulin, il y avait un axe qui traversait la route, et il y avait les turbines ici de ce côté, il y avait le moulin qui était là, et le moulin à grains était de l'autre côté. C'était le moulin rouge, ces fameux. C'était là le moulin rouge, en fait. Voilà. C'était ici le moulin rouge, hein, pas ailleurs. Voilà. Bon, ben, un grand merci, vous avez votre nom peut-être ? Moi, je m'appelle Lulu Samba, je suis animateur. Lulu comment ? Lulu Samba, je suis animateur. Lulu Samba ? Comme la Samba. Comme la Samba. Bon, ben, écoutez. Je fais des animations dans plein de villages et voilà, je suis au disposition. Cette première édition à Terrasson est terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à une prochaine fois pour faire parler les cœurs du terroir en Périgord. À bientôt, vive le printemps!